Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aussi à l'Académie du Royaume du Maroc pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et je vais essayer de présenter mon idée sur comment on peut repenser la modernité. J'essaierai de proposer certaines hypothèses concernant la rencontre entre ce qu'on appelle moderne et ce qu'on appelle traditionnel. Tout d'abord, j'ai en tête une idée d'une représentation de la modernité, un idéal type qui est peut-être surtout exporté, qui a été au centre des débats autour de la modernité, celui-ci, le modèle plutôt français. La centralité de la société, le rôle de l'État, un État laïque, l'État-nation, le rôle de l'éducation nationale, donc la création d'une citoyenneté homogène, une économie en développement, le développement, la raison autour de la raison, penser autour de la raison, le progrès. Et puis, parallèlement à ça, une sorte de dichotomie entre le traditionnel et le moderne, l'irrationnel et le rationnel. C'est une sorte de représentation d'une nouvelle société, et cette idée de nouvelle société est exportée partout ailleurs dans le monde ou importée partout dans le monde. Cette représentation, c'est un peu le désir, l'envie des autres sociétés, de l'Indonésie au Brésil, de la Turquie en Chine. C'est quand même un modèle que les élites, surtout les élites modernisatrices, ont essayé de suivre. Mais je crois que dans la réalité est plus complexe. Cette représentation, c'est juste une représentation, un idéal, un modèle pour être atteint. Mais en vérité, comme on a écouté le cas du Japon, comme on peut donner l'exemple de la Turquie, l'Amérique latine ou partout ailleurs, l'Afrique du Nord, les sociétés, les élites, les États, surtout avant-garde de cette modernisation, ils ont essayé de faire une sorte d'amalgame, une sorte de synthèse entre ce qui est autochtone, indigène dans cette société, et puis cette représentation venant d'ailleurs. Mais dans tous les cas, une idée centrale, c'était rattraper le retard historique. Il y avait un modèle d'État, de société progressiste en avant. Donc, nous, on était en retard. Comme d'ailleurs cela a été dit, les pays arabes n'ont pas été décadents, mais l'Europe est allée trop vite. Donc, les autres ont essayé de suivre ce modèle idéal. Bon, en tout cas, donc, nous avons sous les mains une sorte de représentation idéale, une centralité, un État, une société ensemble, avec ses citoyennetés, laïcité, sécularisme et tout. Mais cette représentation, ce modèle, ça a été explosé depuis un certain temps. Je suis un peu le modèle d'Alain Touraine qui parle de la dissociation entre le système et les acteurs, le système capitaliste marchant à merveille, un système capitaliste avec les entreprises, les acteurs économiques. Ils travaillent, ça fonctionne sans avoir besoin de vrais héros, de vrais acteurs. Parce que quand vous êtes diplômé d'université, université bien, vous êtes automatiquement recruté dans le système et le système continue à marcher. Et vous n'êtes pas primordial, vous n'êtes pas le centre de ce système. Le système peut vous jeter à un moment donné, il y aura toujours d'autres. Donc le système, les machines, les fabriques, les usines, tout ça, ça marche. L'industrie, ça marche, parce qu'il est le marché. Le marché, ça domine. De l'autre côté, tous ces exclus de ce système, parce qu'on ne peut pas être un vrai acteur dans ce système, donc vous essayez de prouver
votre identité, votre être dans ce monde par le biais des identités culturelles. Donc Alain Touraine parle d'un côté d'un système sans acteurs, le capitalisme même, et de l'autre des acteurs sans système, plutôt une sorte de ghettoisation des identités culturelles. Ça peut être une identité islamique, kurde, turque, nationaliste, marocain ou peu importe. Mais en tout cas, ça, de ce côté-là, là où il n'y a pas de vrai système, là où il n'y a pas de système dans lequel on peut s'insérer, on se contente par, ou bien on essaie de s'affirmer par le biais des identités culturelles. Donc, ça nous ramène à une sorte de conclusion intermédiaire, mais je vais aller un peu plus loin. Oui, il y a une dissociation. D'un côté, c'est le moderne total, c'est le capitalisme, le marché, le capital. De l'autre, c'est la culture. Je crois que dans deux cas, la dissociation n'est pas si claire. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, du nouveau du système ? Et à partir de maintenant, à partir de là, de ces phrases que je prononce, j'essaie de me référer à des recherches que j'ai menées sur le terrain. Premièrement, du côté du système capitaliste, qu'est-ce qui se passe auprès des jeunes ? Il y a tout ce nouveau langage, discours que vous entendez partout, les start-up, l'Internet, le monde virtuel, l'invention des petits commerces, des jeunes, un nouveau segment dans le marché. Le marché conquérit les jeunes. Les jeunes qui deviennent une identité, qui deviennent des acteurs. Ils prouvent eux-mêmes, ils affirment en tant qu'identité créatrice, en tant qu'identité qui réussit, en tant qu'acteurs qui s'accomplissent, qui acquièrent une sorte de reconnaissance de la part des entreprises. Donc c'est magnifique pour eux, tout jeunes. 18 ans, 19 ans. Là, quand j'ai lu récemment une sorte de petite étude de Bill Gates à l'inventeur de Facebook, de Twitter, de tout ce monde social media, les propriétaires, les fondateurs de ces secteurs, ce ne sont que des jeunes entre 20 ans et 30 ans. Donc, c'est magnifique. Mais le problème, c'est que quand on s'affirme dans le capitalisme, c'est le capitalisme qui pénètre aussi. Donc, le capitalisme, par le biais des jeunes, développe son terrain d'exploitation. Donc les jeunes qui étaient protégés par la modernité, comme il faut garder, il faut éduquer, il faut reconnaître, il y a une lutte chez les jeunes. Non, les jeunes maintenant deviennent juste les fabricateurs, les moteurs du capitalisme. Ça, c'est un premier élément. Mais en tout cas, il y a du subjectif dedans. Les jeunes s'affirment dans le capitalisme. Il y a une sorte de synthèse entre le capital et l'identité. Mais la chose la plus intéressante passe de l'autre côté, du côté des identités. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, du côté de ce monde le plus radical possible, Daesh ? Alain Touraine donnait l'exemple de l'Iran, le monde des ayatollahs. C'était le monde de ghetto. Le monde des ayatollahs, le monde iranien, c'est un monde capitaliste. Oui, il y a les élites religieuses à la tête de cet État, mais le système, c'est capitaliste. C'est déjà une synthèse. Mais encore plus intéressant, le Daesh, le plus radical, l'extrémisme islamique, ou peu importe quel que soit le renommé, ils sont modernes, mais ils sont traditionnels. Ils interprètent le Coran, l'islam, dans une certaine manière, comme cela les arrange, si vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, Daesh, c'est une synthèse entre le moderne des armes, de l'occupation des terrains, de la force, de la puissance, et de l'autre, une référence à une certaine traditionnalité. Ça, c'est un petit exemple. Mais d'autres exemples. Qu'est-ce qui s'est passé aux élections des États-Unis avec Donald Trump ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe actuellement en Turquie avec le président Erdogan ? Qu'est-ce qui se passe en Inde avec le président Modi ? Qu'est-ce qui se passe dans les partis un peu qui sont en ascension en Europe, en Autriche, en Pologne ou dans d'autres parties ? Chaque fois, vous entendez un discours d'autochtones, d'indigènes,
de l'Amérique profonde, la Turquie profonde, cette Turquie, cette Amérique qui n'a jamais été entendue par les libéraux, par les démocrates, par les progressistes et tout. Pour la première fois, je crois, dans la société moderne qui est décomposée, le bas, le populaire, le populisme devient un vrai acteur. Donc ce n'est pas au nom de le rationnel, au nom du progrès, mais au nom d'un sentiment, une subjectivité qui représente le pays natal, les traditions, l'ancien. Mais le problème, c'est, ce n'est pas seulement ça, parce que c'est du pur capitalisme. Donald Trump, c'est Poutine, c'est Erdogan, c'est Modi, il a du riche dedans, il a du capitalisme dedans, il a de l'argent dedans, mais aussi il a du traditionnel dedans. Donc, comme j'espère que j'arrive à m'exprimer, mais dans ce cas-là, ce qu'on appelle traditionnel, ça n'a pas de sens. Comment on interprète le traditionnel ? On interprète selon les contextes géographiques, culturels, sociaux, peu importe. Donc le traditionnel, ça n'a absolument pas un seul sens. Donc ça, c'est un côté de cet amalgame, de cette synthèse entre le traditionnel et le moderne. Mais je crois que il faut peut-être un peu plus distinguer dans ce qui est traditionnel. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, contre ce modèle unificateur, contre ce modèle idéal, avant les décompositions évoquées par Alain Touraine? Qu'est-ce qui a été les premières réactions à cette modernité? Le féminisme, l'identité des femmes, mon corps, ça m'appartient. C'est une histoire culturelle. Je ne veux pas être amalgamé, je ne veux pas être homogénéisé dans une identité fictive de la modernité, mais j'ai une différence. Je suis une femme. Pourquoi les Catalans, les Kurdes, les Berbères ou partout ailleurs, les autres tribus, les autres ethnies, les autres petits groupes islamiques ou religieux ou chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais nous avons une particularité. On ne veut pas être confondu dans ce grand masse. Donc, les identités culturelles dans ce sens, ethniques, en dehors de la modernité, ils se sont révoltés en vue de créer une sorte de, une autre modernité, je dirais. Et là, je suis un peu la théorie de modernité réflexive, élaborée par Anthony Giddens, Ulrich Beck. Ça, c'était un peu l'avancée du bas vers le centre, en disant, nous aussi, on veut être moderne, on veut entrer dans l'espace de la modernité, mais pas comme vous nous désignez, mais selon notre propre histoire. J'ai ma langue, j'ai ma culture, donc j'ai envie que cette culture soit représentée dans la nation, dans la nouvelle modernité. Donc ça nous, entre Trump, Erdogan, des revendications culturelles de ce genre, on voit que ce n'est pas la même chose. Les Kurdes, bon, bien sûr, ils veulent vivre bien. Ils veulent avoir un accès dans le marché du travail, etc. Mais le premier discours, le premier élément du discours, c'est essentiellement une sorte de reconnaissance de la culture. Donc, ça, c'est du côté, non pas du marché capitaliste, mais du côté de la culture. Ça nous ramène à une autre étape, à une autre étape de la modernité. Ça nous donne une autre idée de la possibilité de la modernité. Dans tous les cas, dans tous les exemples que j'ai donnés, j'ai essayé de montrer, d'essayer de dire que le moderne, ça met ensemble ces côtés de survie économique, développement, et puis une certaine interprétation du moderne. C'est toujours, bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais c'est toujours dans la trajectoire de la modernité initiale. On va vers le futur brillant, de l'avenir merveilleux. On va être plus satisfait économiquement, culturellement. Là, je suis mon dernier point. Je viens à mon dernier point. Qu'est-ce qui se passe avec le nouveau mouvement social ? Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, à Occupy Wall Street ? Qu'est-ce qui s'est passé à Podemos, en Espagne ? Qu'est-ce qui s'est passé à Rio, à l'occupation, au conflit à Rio, autour du championnat de Coupe du monde du football ? Qu'est-ce qui s'est passé à Gezi, à Istanbul, Taksim Gezi, les événements de Gezi?
il s'est passé plus ou moins la même chose à Tel Aviv en Israël, il s'est passé plus ou moins la même chose à Yerevan en Arménie. Et bon, je ne parle même pas du printemps arabe. Dans tous ces cas-là, je ne nie pas qu'il y a du classique moderne, je ne nie pas qu'il y a de cette idée de modernité, mais je crois que pour la première fois, le traditionnel devient vraiment le traditionnel, dans le sens que moi, je veux garder le terrain, cet espace urbain, j'ai droit à vivre dans cet espace urbain et aucune autorité technocratique peut envahir cet terrain, cet espace urbain. En tout cas, le cas que je connais mieux, c'est Taksim Gezi, à Istanbul. Les gens, les nouvelles classes moyennes, un peu ouvriers, un peu des ethnicités kurdes, alevis, des gens séculiers, ils ont tous plus ou moins dit la chose, une chose commune. On ne veut pas qu'on décide à notre nom. On veut juste cette place, nous, avec les verts, avec les arbres. Donc, là, le traditionnel, dans ce sens-là, ça devient une sorte de conservatisme, une sorte de sauvegarde de la nature. La nature, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus traditionnel que tout ce qui a été dit avec Trump, Erdogan, etc. Peu importe. Donc, vraiment, le traditionnel, dans ce sens-là, devient un vrai acteur. Donc, je ne vais pas aller plus loin, je vais essayer d'être plus bref. Finalement, ma conclusion, c'est celui-là. D'un côté, il y a une sorte de capitalisme moderne qui essaie de qui instrumentalise tout ce qui peut être traditionnel, donc le cas de Trump et le cas de la Turquie, le cas de la Russie peut-être, sont des exemples merveilleux. Donc le traditionnel dans ce sens, c'est juste une sorte de vernissage. C'est une sorte de nouvelle conquête du marché, nouvelle conquête des nouveaux segments de la société, nouvelle conquête des jeunes, si on fait une sorte de généralisation. Et de l'autre, peut-être le vrai retour au traditionnel, mais aussi ce qui va paraître paradoxal, mais je pense que le vrai moderne, c'est là. Le vrai moderne, ou l'invention du moderne, une nouvelle créativité dans le moderne, c'est, je crois, c'est en apercevant, c'est en développant une idée autour de ce traditionnel qui veut sauvegarder l'authentique, le local, non pas celui qui est fabriqué, mais la nature, la langue. Et là, je crois qu'il y a de l'invention dedans. Finalement, ça ne suffit pas de dire ça, je crois, mais mon dernier point sera celui-là. Et ça sera à partir de ma recherche que j'ai menée dans les villages en Turquie. Il y a une nouvelle tendance de plus en plus visible concernant les OGM, les grains biologiques, industriels, cette industrie agricole. Pour la première fois, je crois, et ce n'est pas seulement un cas turc, partout ailleurs, vous pouvez voir ça, la dichotomie entre le village et la ville commence à disparaître. Les gens du village sont à la fois urbains, à la fois villageois. Donc le village ou la ville, ce n'est plus dans cette dichotomie moderniste, mais comme il n'y a plus de dichotomie, les gens peuvent inventer un nouveau pendulum entre tout ce qui était dichotomique. Donc il n'est plus le monde rationnel, irrationnel, progressiste, réactionnaire ou rationnel, irrationnel, peu importe. Pour la première fois, il y a une sorte de modeste pendulum entre les deux. Donc, les nouveaux mouvements urbains, les nouveaux mouvements ruraux qui parlent des permacultures, culture permanente, la rénovation de la nature, refusant l'industrie déchaînée, essayant de garder ces graines autochtones, indigènes, naturelles, je crois que c'est, sans avoir de grandes idéologies, programmes politiques, etc., mais ce retour à une sorte de modeste synthèse en tout ce qui était dichotomique, je pense que ça, c'est c'est une sorte de réinvention du moderne. J'espère que j'ai pu m'exprimer. Merci de m'avoir écouté.